Les usagers du transport en commun à Lévis peuvent faire l'essai ces jours-ci d'un petit autobus, on l'appelle le Midibus. C'est un véhicule qui peut transporter une trentaine de passagers. Il pourrait éventuellement être déployé sur les parcours moins achalandés. Nicole Germain. Très populaires en Europe, les Midibus tentent de faire une percée dans nos hivers québécois. La Société de transport de Lévis a été approchée par le fabricant britannique pour des essais routiers pendant une semaine. On fait des tests pour mesurer la consommation d'essence, le confort, la chaleur. On voit qu'il y a certains moments dans la journée où les autobus sont vides, donc pourquoi ne pas placer des petits bus sur les lignes, soit plus les lignes moins achalandées ou des lignes qui sont peut-être plus difficiles. Le véhicule ne mesure que 30 pieds et peut accueillir jusqu'à une trentaine de passagers. Son fabricant indique une économie d'essence de près de 20 litres au 100 km, comparativement à un véhicule de 40 pieds. C'est merveilleux, c'est plus compact, alors plus maniable, puis par contre plus nerveux au niveau de la direction. Son prix varie entre 230 et 365 000 $, comparativement à un demi-million pour le véhicule standard. Sa durée de vie est toutefois moins longue. Nous, on cherche évidemment à aller chercher une contribution du ministère des Transports. Et les programmes actuellement sont ainsi faits que les véhicules admissibles doivent avoir une durée de vie de 15 à 16 ans. Ceux dont on parle ont une durée de vie de 10 à 12, 13, 14 ans. Alors, il va d'abord y avoir un assouplissement de ce côté-là aussi. La Société de transport compte également demander un assouplissement au gouvernement quant aux normes de fabrication. Les véhicules étrangers doivent avoir 20 % de contenu canadien, mais le minibus n'en prévoit que 15. Ça fait longtemps que je pense à ça. Pourquoi qu'ils ne remettent pas des petits, des plus petits, quand il y a moins de monde durant la journée? Je la trouve plus confortable. Ça peut sensibiliser d'autres gens à prendre le transport en commun. Et puis comme ça, ça peut en amener plus. Si les essais s'avèrent concluants, la société espère accueillir 6 véhicules d'ici l'an prochain. Nicole Germain, Radio-Canada, Lévis.